Au début, on venait seulement l'été parce qu'il n'y avait pas encore le système de chauffage. Et puis, quand j'ai eu 5 ans, Paul-Émile a fait installer la fournaise dans la cave. Puis là, on est venu habiter ici de façon permanente. Donc, mes souvenirs, ça datent d'assez longtemps. Mais je dois dire que mes vrais souvenirs d'ici, ils datent de l'époque où on est déménagé pour de bon. Mes grands-parents étaient ici tout près. Mais je pense que le plaisir venait de l'espace, puis du terrain, puis de la rivière. Plus, parce qu'à Montréal, on habitait un appartement au deuxième. Bon, c'est ça. Pour moi, c'est la nature, puis l'espace qui était idéal, là. Puis la lumière. La lumière, là-bas, à Montréal, c'était sombre. Ici, il y avait de la lumière partout. La région dégage une espèce de douceur qui est très spéciale. Une lumière puis une douceur qui est particulière, qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions. Les autres régions ont d'autres beautés, parce que c'est beau, je trouve, c'est beau partout au Québec. Mais cette région-ci a une douceur puis une lumière particulière. Et c'est sûr, ça a été rénové, décoré peut-être un petit peu plus, moins rustique, je dirais. Mais l'emplacement est le même, puis les divisions sont restées les mêmes. Les deux chambres en haut sont encore séparées par la petite toilette qu'ils nous avaient faite pour les enfants. Et puis oui, ça c'est resté plus que son atelier, en fait. Finalement, malheureusement, c'est l'atelier de Paul-Émile qui est disparu. Autrement, la chambre des parents est encore là, différente, mais elle est là. La salle de bain et tout. Il n'y a pas eu des grands changements, sauf la chambre de la bonne, qui à un moment donné, quand on n'a plus eu de bonne, est devenue la pièce pour le petit déjeuner et tout ça. Mais autrement, il n'y a pas eu de changement dans la maison durant qu'on a été là. C'était des murs de tentest. Et puis les joints entre les panneaux étaient faits par des lattes de bois. Tout ça était couleur naturelle. Il n'y avait rien qui avait été peint. Les fenêtres aussi étaient couleur naturelle. Sous l'escalier, il y avait l'escalier qui montait, la partie en bas était fermée. Tout l'escalier, entre le plancher et l'escalier, c'était fermé. Puis ça, il y avait une porte sur le côté qui descendait dans la cave, dans son atelier. C'était l'atelier de Paul-Émile. Et puis ici à droite, il y avait la porte qui était pratiquement jamais ouverte, avec des fenêtres en haut. Et puis c'est là qu'était son chevalet, là, puis il peignait là, sur ce, face à ce mur-là. Bordois était seul à ce moment-là. Sa famille l'avait quitté. Et mon mari était son médecin traitant à ce moment-là. Et mon mari venait le voir souvent, parce que Bordois, après le refus global, il s'est retrouvé complètement seul.
Sa famille était partie, alors lui, il était seul. Il n'y avait personne qui venait le voir. Alors mon mari, quand il avait fini ses heures de bureau, il venait voir Bordivoir. Alors ils passaient 15-20 minutes ensemble, une demi-heure. Et à un moment donné, Bordivoir lui a dit, je vais vendre la maison. Alors mon mari dit, ça m'intéresserait si jamais vous la vendez, j'aimerais que vous m'en parliez. Mais nous aussi, on commençait, là, on n'avait pas de sous à ce moment-là, pas beaucoup. Je pense que comme tous ceux qui commencent. Et Bordivoir a eu des offres de gens de Montréal qui étaient intéressés à la maison. Puis Bordivoir a dit à mon mari, dit non, il dit, c'est à vous que je la vends. Il dit, parce que j'ai plein de confiance que vous allez réussir dans cette maison. Ce que moi, je n'ai pas réussi avec ma famille. C'était extraordinaire. Hein? C'était dur. Hein? Alors, il a refusé des achats beaucoup plus profitables pour lui que le nôtre. Mais à cause de ça, il l'a vendu. C'est comme ça, ça s'est fait. Dans des bonnes conditions aussi, parce qu'il fallait qu'on gagne au sous, d'autres aussi. Là. Mais on n'a jamais regretté. Puis, comme on connaissait bien Bordivoir, puis on connaissait son œuvre, on savait la qualité d'être qu'il était. On a toujours, dès ce moment-là, on a dit c'est une maison à conserver. Puis, plus ça allait, plus on se disait, on vieillissait nous aussi, puis on disait, il faut vraiment que cette maison soit un hommage à Bordivoir, qu'on la garde comme rend hommage à Bordivoir. Et ben, finalement, on a mené à bien. Ça a été extraordinaire, ça. Aussi, de mener à bien cette transaction là, qu'on a faite. Alors, nous, on est arrivé en 52. Alors, tu vois, la famille Bordivoir a vécu 10 ans ici. Je ne sais pas si c'était dû à la dimension des pièces et la forme de l'architecture et l'éclairage. En tout cas, on entrait ici, là, puis c'était une bouffée d'air frais en entrant. Ici, là, dans la maison, il y avait des petites lattes. On a fait ça aussi. Il y avait des petites lattes de bois sur le long du mur. C'était tout... Puis ici, surtout, il y avait des lattes de bois partout. Des petites lattes. Je ne sais pas pourquoi. C'était dans la construction. Là. Et alors, avec cette latte-là, ces petites lattes-là, c'était comme... Quand on entrait, ça faisait une espèce d'auteur. Et Bordivoir avait dit... Cette maison aussi, c'est comme un temple à la famille. Alors, ça me dit toujours rester, hein? C'était profond. Et c'était un homme extraordinaire. Je pense qu'il avait de la peine de vendre la maison, mais il avait de la peine de quitter Saint-Hilaire. De quitter sa famille aussi. C'était son chez-lui. Puis quand il était en France, il y a des gens qui sont allés voir et qui lui ont dit, et le Bordivoir leur avait dit... Essayez de me trouver un petit terrain sur le bord de l'eau à Saint-Hilaire. Je retournerai peut-être à Saint-Hilaire un jour. Oh, ça m'avait crevé le cœur. Tu sais, je me disais, nous, on est ici, puis il est obligé de chercher quelque chose ailleurs. Mais non, ça n'a pas eu lieu, tu sais. Mais ça lui restait dans la tête. Un jour, j'irai revivre à Saint-Hilaire. C'est la clarté en entrant et c'est la dimension d'air. Il y a tellement d'air, c'est vaste. C'est vrai, les chambres sont petites, mais ça n'avait pas d'importance parce qu'il y avait l'ampleur et beaucoup, beaucoup de clarté dans la maison. Quand on était assis ici, avant, là, on a déménagé la maison hein, de quelques pieds et on voit la montagne et on voit la rivière. On voit le lever du soleil, la lune qui se couche, on voit le lever du soleil. C'était extraordinaire. Cette pleine lune là, qu'on voyait dans la maison, finalement. Il y a un ruisseau qui part de la montagne et
qui se déversaient. Tu sais, il y avait, dans ce temps-là, il y avait des... ben, ça doit avoir existé encore. On appelle ça des... pas des traverses. Des décharges? Aussi. Des espèces de décharges. Mais c'était pas aussi gros qu'une décharge, là. Et il y avait ça sur son terrain. Et Bordua avait fait couler cette eau dans des gros tuyaux, là. Et ça se déversait dans la rivière. Et les tuyaux, on a dû les remplacer. Et même à ça, tu sais, l'eau, c'est fort, hein? Et les tuyaux raboutaient, l'eau les désaboutait. Et le solage, c'était plein de solage. Et on allait perdre, le solage se brisait, puis on allait, la maison, on allait la perdre. Alors, on a dit non. On a dit, est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on défait la maison, on s'en refait une autre, ou si on la conserve? Mais c'est entendu qu'on la conservait. C'est juste pour être sage, comprends ça? Parce que c'est peut-être moins compliqué là, en construire une autre. Mais on a déplacé la maison. Vous l'avez déplacée? Dans quel sens? Exactement comme ça, mais juste, on était plus près du voisin, M. Lorando, et on l'a déplacé à peu près à 20 pieds. Je pense qu'il était à 20 pieds de ce petit ruisseau. Et là, la maison a été bien conservée à partir de ce moment-là, oui. Je suis contente de les revoir. De voir que c'est clair, ça s'est très bien entretenu pendant les 5 ans ou les 6 ans, depuis les 6 ans que je suis partie. Je craignais un peu de revenir. Je me demandais s'il y avait eu beaucoup de changements. Vraiment, là, je suis tellement contente d'être revenue la voir. Je me retrouve chez moi. Chez moi, c'est immense, c'est tellement beau, elle est tellement bien conservée. J'avais hâte de revenir. C'est la première fois que je reviens. Depuis mon départ, là, en 1999. Et je ne peux pas croire que j'ai vécu dans cette belle maison si longtemps, 50 ans. 50 ans qu'on a vécu ici. On a acheté les meubles en achetant la maison. Puis on avait acheté un tableau extraordinaire. On avait des tableaux. Hein. On avait un grand tableau. La console qui était là était en bas ici, près du mur, là, le long de la fenêtre, là. Et il y avait un tableau qui était là. Et on l'a encore. C'est Bordua qui avait... ce sont ses élèves qui ont fait cet ameublement ici quand il était à l'école du meuble. Et il avait proposé à ses élèves de faire, pour un concours de fin d'année ou un concours d'étudiants, de faire un ameublement pour le hall d'un hôtel, un petit hôtel de campagne, puis dit l'ameublement qui va avoir le premier prix, je l'achèterai. Alors cet ameublement vient vraiment des élèves de Bordua, puis il l'avait apporté ici, hein, c'était en bas là, et il était pas mal fier, il était fier de son ameublement, et il y avait aussi, tu sais, je vois le cendrier. Ça avait été fait par... Attends, c'est monsieur... Pourquoi je l'appelais monsieur Beauregard, puis je pense que c'était monsieur Beaugrand, qui était un grand artisan de fer forgé, un des plus grands au Québec, qui était un ami de Bordua. Et Bordua a acheté cette collection. Il y avait le cendrier, il y avait cette plante, il y avait un grand cactus, un long, long cactus qui a pris des années que Bordua n'a plus soin. Puis il y avait cette lampe, il y avait surtout cette console. Ça, c'est une console qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Parce que ça a été fait avec Bordua et Beaugrand. Les deux ont mis leur talent ensemble pour dessiner. C'est Beaugrand qui l'a fait, mais avec les idées portugaises aussi, tu sais. Et puis, pour nous, ça a toujours une grande, grande valeur. Et ça a aussi, au point de vue muséal. Au point de vue muséal, ça a une grande valeur aussi. Tout l'ameublement.
dans le sous-sol, il avait son atelier. Et moi, j'ai rencontré Bordois quand j'avais à peu près 21 ans. Là. Tu sais, là, je connaissais rien dans la peinture abstraite. Là. Et j'avais la chance. On allait s'asseoir avec lui dans son atelier. Là. Puis ses tableaux étaient, sur le long de son mur. Puis il tournait un tableau, puis il m'expliquait ce que c'était. Ce qu'il amenait à faire tel trait, choisir telle couleur. Je pense pas que j'ai pas été chanceuse d'apprendre ça. Bon, on remonte, j'avais entre 11 et 12 ans. Et bon, j'ai été envoyé par ma mère. Ma mère voulait que je fasse du dessin parce que j'étais bon à l'école en dessin, alors elle m'a envoyé ici. On avait entendu parler de M. Bordois, on en parlait beaucoup dans les journaux et tout ça. On parlait aussi de M. le Duc, mais M. Bordois, un peu un était le diable, puis l'autre était l'ange. Alors, moi, on m'a envoyé chez le diable, directement chez M. Bordois. Puis je suis arrivé ici, dans cette maison-ci. Dans cette maison-ci, j'ai rencontré M. Bordois. Et si c'est lui le diable, alors je me trompe, parce que pour moi, c'était un ange. C'était un gars extraordinaire, simple, ouvert, qui riait tout le temps avec nous, puis qui nous aidait à être ce qu'on voulait être, et non pas à copier ou faire quoi que ce soit. On faisait ce qu'on voulait, puis il nous aidait. Je garde ça, de cette époque dans la maison ici. Je garde un souvenir incroyable parce que passer des années dans la même fenêtre, puis tout ça, avec le même homme, c'est un monde d'enfant. Je parle bien de ça, de quelqu'un qui était un enfant. Et puis, je ne savais pas que M. Bordois était un maître, mais je savais qu'il était très discuté. C'était à l'époque de Michel Chartrand, ces gens-là, c'était des grosses discussions. Mais je suis arrivé là, puis j'ai été reçu comme tous les autres enfants. Je veux dire, il nous a traités comme des amis. Un peu comme ses enfants aussi, j'ai l'impression. Bon, j'habitais dans une maison un petit peu à l'intérieur victorien. Et quand je suis arrivé chez eux, puis j'ai vu une maison qui était une boîte, qui était un carré, tout le monde trouvait que c'était rien que des cubes, puis tout ça. C'est certain que pour moi, c'était un choc d'arriver dans une pièce où tout est là. Tout est là. C'était un choc, parce que j'ai toujours vécu, moi, avec des grosses draperies, puis des petites colonnes, puis là, c'est d'autres choses. Mais une fois entré dans la maison, puis qu'on commençait à travailler, on ne pouvait pas imaginer que c'était autre chose qu'on pouvait avoir comme maison de travail. Ça, c'était la place. C'était vraiment la place. Et la vue sur le Richelieu à partir de la fenêtre, puis tout ça, soit l'hiver, soit l'été. Vous savez, c'était un monde. Et je pense que beaucoup d'enfants de mon âge qui étaient là ont rêvé un jour d'en avoir une comme ça. On en a rêvé. C'est sûr qu'il y a des changements dans la maison comme telle. Et... Bon, M. André nous a dit qu'elle avait été changée de place, ce qui peut-être change les points de vue à l'extérieur, mais étant donné que moi, j'étais à cette fenêtre qui est derrière, puis qu'il n'y avait pas d'arbre, bien, il y a un arbre qui a poussé depuis, c'est quelqu'un d'autre qui l'a placé. Mais la maison comme telle, vous savez, le corpus, ça, là, c'était comme ça. Ici, toutes les tables, ici et ici, où il y a maintenant une quinzaine d'enfants. Ouais. Je veux dire, l'atmosphère est encore là. C'est sûr qu'il y a eu des changements. L'atmosphère est encore là. Le fait, bon, qu'il n'y avait pas de rampe à l'escalier. Les plafonds n'est pas... on m'a dit que ce n'était pas les mêmes. Et c'est difficile de se rappeler tous les détails. Je me rappelle, entre autres, que les fenêtres n'étaient pas comme ça. C'était des fenêtres à petits carreaux, mais ce n'étaient pas des fenêtres comme on a aujourd'hui à Manivelle. Ouais. Je trouve ça assez étonnant de voir la grosseur des arbres qu'il y a maintenant, puis la lumière est encore parfaite. Tu sais, à l'époque, les arbres étaient plus bas, puis tout ça. Mais cette lumière est parfaite, ça n'a pas changé. Et la maison, c'est très drôle, ça prend 2 minutes, cette maison-là se met à vivre. Vous savez, moi j'entends encore, je n'ai pas les cris des enfants, ne criaient pas. Il n'y avait pas de cris ici. Mais la joie, la pièce était pleine. Et c'est rare que vous voyez une maison, vous savez, avec un trou comme ça, avec la mezzanine qui faisait une espèce de grandeur. Qui est un peu un petit côté cathédral, c'était pas mal extraordinaire. Dans nos maisons, on n'entendait pas, vous savez, le son n'avait pas d'écho.
C'était plat, parce que c'était plein de grosses draperies, de meubles, et puis tout ça. Mais chez Bordeaux, on parlait, puis là, ça, on voyageait. C'était intéressant, ça. C'était important aussi pour nous. Je pense que ceux qui protègent ça sont à féliciter, parce que c'est notre patrimoine, il est le sort. Il faut arrêter de croire que c'est juste fait en roche, puis que c'est à 300 ans. Dans quelques années, il y a des gens qui verront la maison de Bordua et qui disent « Hey, une chance qu'on l'a sauvée. » Puis je suis certain qu'il y a eu un jour ou l'autre quelqu'un qui a voulu tout raser ça pour faire n'importe quoi, alors que c'est vital de garder ça. C'est vital. C'est vital. Peut-être pas, peut-être pour ceux qui y ont passé, mais pour ceux qui vont y passer, c'est vital. À force de réfléchir, mon mari et moi, parce qu'on sait si la maison est gardée, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et c'était, on se disait, il y a des maisons à Montréal où un artiste peut vivre là, un an, deux ans, et il peint dans la maison, ça devient son lieu de résidence. On pensait peut-être que ça aurait pu devenir ça. Mais musée aussi, c'est intéressant aussi. C'est difficile de mettre tout ça en branle, là. Ça vient de, c'est très bien, je trouve ça magnifique actuellement. Je m'intéressais déjà, bien entendu, à la Maison Bordua, puisque c'est quand même un des artistes qui a marqué le plus la vie sociale et artistique du Québec. Alors, j'étais venu visiter la maison ici avec la complaisance de Madame et Monsieur Campo. Et on avait échangé sur cette maison-là, sur son histoire, et ils m'avaient sensibilisé au fait qu'eux l'avaient achetée directement de Paul-Émile Bordua. Alors là, en clin d'œil, je leur avais dit, ben, si un jour vous la vendez, appelez-moi, on verra peut-être pour en faire un musée ou en faire un centre d'interprétation. Mais ça ne nous a pas empêché, en 1998, de créer la fondation de la Maison Bordua, parce qu'on sentait déjà dans les relations que j'avais avec Madame et Monsieur Campo que Monsieur Campo avait une santé fragile. Donc il risquait de se passer quelque chose et il fallait à ce moment-là que la corporation soit prête à fonctionner. Et effectivement, le docteur Campo décédant, Madame Campo m'a contacté, m'a dit « André, ben, si vous voulez la maison, c'est le moment ». Alors immédiatement là, on a lancé une campagne de levée de fonds avec des présidents d'honneur de prestige. Donc régionalement, bien entendu, c'est quelqu'un que tout le monde connaissait à l'époque, qui est Jean-Pierre Charbonneau, qui était le député du comté de Bordua. Ce comté d'ailleurs qui en parallèle est devenu justement le comté de Bordua. Et aussi avec une sommité au niveau du patrimoine architectural qui est Phyllis Lambert, la créatrice et à quelque part pendant plusieurs années l'animatrice, l'âme du centre d'architecture de Montréal. Alors avec une présidente d'honneur de ce niveau-là et un président d'honneur comme Jean-Pierre Charbonneau, eh bien, on est arrivé à ramasser tout l'argent qui était nécessaire pour pouvoir acquérir la maison et la protéger. Le gouvernement du Québec a mis un certain montant, environ 140 000 $, et sur le montant de 225 000 qu'il nous fallait, le reste, ça a été une campagne de levée de fonds. Plusieurs dizaines de milliers de dollars sont venus des gens de la région, et le reste de donateurs du reste du Québec. Ça va de soi qu'il était nécessaire de faire classer cette maison. Il y a des démarches qui avaient été faites pour la faire classer de nombreuses années avant par Madame Campo, mais aussi par des personnes du milieu. Et ça n'avait pas marché, simplement parce qu'un fonctionnaire à l'époque était un petit peu peut-être allergique à Bordua, comme c'est souvent arrivé malheureusement. Et il trouvait que le fait que cette maison ait été déplacée, elle ne pouvait pas être classée. Alors là, j'ai mis beaucoup d'énergie à reprendre les documents de ce fonctionnaire-là et puis à faire toutes les corrections nécessaires. Et finalement, on est arrivé en 2001 à faire classer la maison. Donc maintenant, cette maison, depuis, c'est un bien culturel et on ne peut pas la transformer en faire ce qu'on veut ou l'utiliser n'importe comment, justement, parce qu'elle doit être protégée. C'est un bien culturel commun pour les gens de la région, mais aussi pour le Québec. Acheter une maison, c'était bien. Il fallait que nous, les membres du conseil d'administration de la Fondation, on trouve une vocation à cette maison-là. Alors plusieurs idées ont été émises, puisqu'on voulait en faire un lieu de mémoire commun, on voulait en faire un lieu de fierté en l'honneur de Paul-Émile Bordua.
Et on a pensé, à un moment donné, en faire un lieu de résidence, puisque Paul-Émile Bourdieu avait habité cette maison, on avait pensé la prêter à des artistes qui pourraient l'habiter. Mais là, il y avait un danger, c'était que ces artistes, il y en a qui sont sérieux, qui prennent soin des biens des autres, mais il y en a qui auraient pu l'abîmer. Donc on a mis de côté ce projet-là, pour finalement à revenir à quelque chose de bien traditionnel, qui est d'en faire un centre d'interprétation sur l'homme et l'œuvre qui était Paul-Émile Bourdieu. C'est pas dissocié jamais. Il n'y a rien de ce qui a fait qu'il a été dissocié du lieu et de la famille.